Mariella Kwaku a 18 ans. Elle est l'auteur du conte Adjoula, femme du peuple. Sensible, émue, reconnaissante, elle fait son baptême d'écrivain. L'ouvrage retrace dans un décor à Caen l'histoire de la belle Adjoula. L'œuvre présente également la situation des séropositifs en Afrique. J'essaie d'expliquer la condition de la jeune fille dans la société et de les inviter à préférer les études à la vie facile. Ben, les hommes susceptibles d'interpeller les jeunes filles en cette période de la Journée internationale des filles, indique Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Pour Cissé Bakongo, c'est le résultat de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Elle donne un exemple à nos étudiantes, à nos étudiants. Je me tiens à sa disposition pour lui apporter autant que je peux tout ce qu'elle pourrait avoir besoin pour poursuivre dans la voie donc l'écriture. Mariella Kwaku s'est prêtée au jeu de la dédicace. Née le 22 décembre 1994, elle poursuit actuellement des études en mines et pétrole.